Vas-y, je pense que. Je vais suivre les panneaux. Hein. On verra bien. Putain, vous entendez? Ça chuchote à chaque fois là. Oh la musique, comment qu'elle est badante et tout. C'est stressant à mort. Écoutez. Écoutez comment que ça chuchote là. Wow. Vas-y, je vais aller de l'autre côté. On va plutôt passer par là. Allez. Where the hell am I? Mais où suis-je? J'en sais rien, je sais pas. Il y a une sauvegarde échappée à la zone. Gauche, droite, gauche, droite. Enfin, si on va à la droite, hein. C'est parti, on verra bien. Putain, on est complètement perdu. Vas-y, dégage, toi. On est complètement perdu dans les bois. She's come away, sister. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va venir, ta sœur. Pourquoi il dit ça? Dégage, dégage, dégage. Comment que c'est bien fait avec les bruits et tout là? Il y a tout pour te foutre dans l'ambiance, hein. Franchement. Lui, dégage. Ils ont bien fait ça. Hein. Non, pas la torche, pas la torche. Laisse tomber. La torche, c'est pas une bonne idée, les gars. En fait, quand ça chuchote. Ça veut dire que. Ah, ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Ça veut dire qu'il y en a un qui est pas loin. Oh putain, c'est quoi par là? Oh. On va essayer de par. Oh, on peut voir ses pieds, excellent. On va essayer de passer par là. Trouver Rowena, ok. Très bien. Rowena! T'es là? Gardez avec le. Avec le doux bruit des grenouilles. Il y a des panneaux là, on va les voir. Soit à droite, soit à gauche. Hot Spring Rail, Lighthouse Crossing. On va aller par là, il y a un truc avec de la lumière là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais prendre ça. Ça me gâte l'oreille là. Le casque. Who's calling? Ah, Rowena Aldo Arwedin, being human first, I declare that I am a resident of the state. Ah, ok, d'accord. C'est pas mal. On peut pas faire un truc là? Non? Bon. Bon, bah, ok. Bah, du coup, je pense que. Je pense que. Oh! Je pense qu'on va essayer d'aller de l'autre côté. Je fais quoi? Je vais courir, je cours! Lâchez-moi! Bande de salopards! Vas-y, vas-y, allez, cours, cours, cours! C'est pas le tout, mais c'est que. Putain de merde! C'est qu'on a Rowena à trouver. Quoi? Ils ont pendu des pigeons? Pourquoi ils ont fait ça? À quoi ça sert? Ils ont pendu des pigeons, des. Des espèces d'écureuils, des machins.
des trucs comme ça là. Regardez ça, comment que c'est dégueulasse. Oh! Vas-y, on va éteindre la lumière. Je pense qu'on va aller par ici. C'est quoi ça? Allez, vas-y. Celtic meanings around. Les significations celtiques qui entourent le symbole du pentagramme sont fascinantes et leur sens d'une grande portée. Okay. Chaque point de l'étoile symbolise les fondements de la vie, les éléments du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. La cinquième symbolise l'esprit intérieur, l'âme tous ensemble. Les cinq points créent un pouvoir unifié qui va au-delà de notre estimation. Il doit parler de ce qui est autour de moi là. Et quand la cérémonie plus dangereuse commencera, une transformation devra commencer au même moment qui fera crouler. Qui fera couler quoi? Qui détruira et qui fera renaître la terre, le corps et l'âme. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on va se barrer de là. Ok, moi je viens de là. Je viens de là, j'ai vu de la lumière. On va aller par là. On va aller là où il y a de la lumière. Attends. Je viens... Putain, je sais plus d'où je viens, moi. Ouais, si, c'était de l'autre côté. Il y avait plus de pigeons pendus et tout. Je m'en souviens. On va essayer de passer par là, tranquillement. Par contre, la torche, à chaque fois, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est quand même chaud, les machins, ils te voient de loin là, dès que tu allumes la lumière. On va éviter. Ouh, c'est quoi cette cabane là? Et ben, je crois qu'on va essayer d'aller se manger là-dedans, les gars. On va aller voir ça. Ouais. Ah. Ok. Cinématique. Très bien. Oh, chapitre 3. Chapitre 3, The Burning Embers. Ok. Très bien. Parfait, parfait. Ok. Oh. Regardez-le, lui là-bas, là. Comment qu'ils font bader, en fait, eux. Allez, on va continuer. Donc, chapitre 3, on est plutôt bien parti. J'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Attends, c'est quoi l'objectif là? Objectif actuel, enfuis-toi de Compton. Ok, d'accord. Vas-y, go. Go fuir de Compton. Très bien. Un vieux camion tout dégueulasse. Oh! Oh! Ah, yes! Excellent! Enfin, quelqu'un comme moi! Sorcellerie, adoration du diable, connerie de vaudou! Maintenant, cela n'est pas important, seulement cours, enfuis-toi d'ici avant qu'il ne te trouve. Tu as vu Ro? Tu as vu ma sœur? Elle est avec Megan, elle se cachait après, près du phare! Putain, comment que je peine, excusez-moi! Cache-toi, sors d'ici, sauve-toi! Arrête de gueuler comme ça! Non! Ah!
Oh, comment c'est chaud! Ils ont brûlé mon pote, quoi! Regardez-le, lui! C'est lui le méchant, là! Il va me regarder, lui. Non? C'est pas moi qui joue, là. Oh, ils ont brûlé mon pote, quoi. Oh my god. Oh my god. Ah bah ouais, putain. Sérieux? Bah vas-y. Putain! Je pensais pas qu'il allait se relever, ce con-là! Il me suit encore? Je crois qu'il a... Il a lâché l'affaire. Oh bah non, il a pas lâché l'affaire! Je crois qu'il aime pas la lumière. Attends, parce que j'ai l'impression que quand... Mais vas-y là, sors de là, putain. J'ai l'impression que quand on marche sur les brindilles de bois, ça fait du bruit. Putain, mais vas-y là. Putain, comment qu'on fait là? Je vais y aller en me baissant tranquille. C'est bon, c'est bon. On est bon. On est bon, vas-y. On se casse de là. On est pas mal. Ouais, bah vas-y, hein. Je pense que ça doit être par là. Oh, c'est quoi ça? Une cassette audio. Vas-y, prends. Prends ça. C'est parti. Pendant les furieuses tempêtes de la mi-hiver, les habitants de pays de l'Europe du Nord battaient en retraite vers leur maison quand l'heure du tumulte du grand vent, on pouvait entendre le son d'une corne de chasse. Leurs prêtres, les druides, adoraient les vrais dieux. Les anciens dieux, les dieux qui auraient donné vie à une personne qui aurait purifié le monde de ses péchés et de sa pureté. Comme annoncé dans leur rite, la forêt se serait remplie de morts vivants, des fantômes macabres qui chercheraient toute âme vivante sur leur chemin. Ce groupe de vampires était guidé par un spectre lugubre et effrayant. Ok. Parfait. Ça me parle. Dans la tunique de la famille royale, avec une couronne de cornes, ce prédateur ne poursuivait ni un animal ni la volaille. Sa proie était l'humanité elle-même. Son jeu était d'attraper les âmes des hommes et de les ramener dans les enfers pour faire pleuvoir le feu de l'enfer sur les anges de la vertu. Ok. Très bien. Ça marche. En attendant... Oh putain, bah en attendant, on est parti de là-bas, on est déjà là, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, regardez, il y a une espèce de truc, là. Ah non. Ah non, c'est rien du tout, c'est... C'est rien. On va essayer de monter par là. De la lumière, encore. Bon, on va suivre. Tranquillement. Ça a l'air plutôt paisible par là. Ça a l'air... Ça a l'air calme. Ou pas. Il y a un truc qui me suit. Il y a un truc qui me suit.
J'entends dans les bois là, ça court. Putain, le corbeau il m'a foutu les boules. Quel couillon. Attends, c'est quoi l'objectif là? Va au phare. Ah oui, c'est vrai. Il y a Rowena qui s'était caché au phare. Très bien. Go phare. Oh yes, c'est là-bas. Petite sauvegarde. Yes, je l'ai vu. Si Ro était quelque part, j'espère qu'elle sera là. Ben, j'espère aussi. Vas-y, on va aller voir ça, c'est parti. Lighthouse Crossing et Raven Trail. Ben, on va aller à Lighthouse Crossing. Ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cette première partie. Pour cette première partie qui, je pense, aurait été coupée en deux parties. Et on verra qu'est-ce qui se casse la prochaine fois de l'autre côté de ce machin. Je pense qu'on va devoir prendre la tyrolienne. Mais nous verrons ça dans le prochain épisode. On va... Bah quoi que bon, d'accord, on va prendre la tyrolienne. Moira, ici Megan. Allez, ce n'est pas sur cours. Bon, bah très bien. On va voir d'abord ça en fait. Heidi ? Allez, vas-y. Ok, bon bah... Du coup, on va faire ça. Et on va s'arrêter après. Putain, mon vieux, mais qu'est-ce qu'elle est lente, sérieux? J'ai l'impression de faire du surplace, non? Allez là, sérieux là. Eh, je vous assure, j'ai l'impression de faire du surplace. En fait, c'est, je crois qu'ils sont en train de tirer aussi de l'autre côté. Putain, je commence à fatiguer là. Oh! J'avais pas vu. Allez là, vas-y. Merde. Oh, c'est bon. J'ai réussi. Mon Dieu, il était proche. Je ne peux pas croire que tu aies survécu à ça. Bah tiens. C'est pas qui je suis. Elles sont sorties nulle part. Elles sont partout. Il y en avait un grand, un qu'elle écoutait. Il continue à dire que notre famille était spéciale. Que notre sang doit être versé de la juste façon. Le chasseur viendra. Je ne peux pas me le quitter de la tête. Je n'ai pas vu Finn. Tu as vu mon frère? Oh oui, je l'ai vu. Oh, la menteuse. Nous étions en train de nous cacher près du phare. On doit se dépêcher. Ils sont rapides. Ben si, je l'ai vu, Finn. Il s'est d'ailleurs transformé en monstre super bizarre. C'est ça, le truc de fou, quoi. Oh putain, regardez ça, c'est un truc de fou. Ok, petite sauvegarde, je joue en haut à gauche. Donc, du coup, on va pouvoir s'arrêter là, cette fois-ci. Et on verra ce qui se passe hein, la prochaine fois avec Rowena, là. C'est Rowena ou Moira, je sais pas. On va bien voir, on va faire connaissance tranquillement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires et tout. Ça peut être sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Et je vous proposerai la suite du jeu prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, bye. Moira, c'est toi? T'es là, Moira?